Et bonjour à tous. Alors c'est parti pour la journée du jeudi sur les tournois raids. Alors on va aller voir la défense. Venir, j'ai plus trop d'espoir pour celle-ci. Oh! Oh là là, il est repassé B. Purée, ça pouvait pas être comme ça depuis le début. Ah bah là, ça change tout par contre. Un rang B, là c'est 600 points. Hein. 650 points, c'est comme si j'avais quasiment gagné plus d'une attaque de plus quoi. Oh là là, c'est fou que j'ai pas. Ouais, donc du coup, cette défense tient le choc en fait. C'est juste que j'ai eu un début. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est pas fou non plus. On a 10 défaites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, c'est une défense moyenne. Du coup, ça fait 12 victoires pour 10 défaites. Donc là, ça commence à faire beaucoup d'attaques. On peut commencer à se dire que c'est ce que ça vaut, quoi. Ça vaut un rang C en fait. J'ai pris E et D, ça c'est triste. La B, j'ai un peu de bol. On verra demain. Bon, bah, c'est parti. J'espère avoir les mêmes puzzles qu'hier, c'était parfait. Ah, là tout de suite, c'est un peu plus sérieux. Purée, là c'est même très sérieux. Gros vert central, deux poppies extérieures. Ouais, je pense que là j'ai quand même de la place pour mon T-Rum. Hein. Genre. Encore envie de jouer un mono-violet, toujours pas de mono-violet malheureusement. J'aimerais avoir un mono, enfin un 4-1, 4 violets avec Cavazir, ce serait l'idéal là, parce que les poppies, si j'ai 4 tuiles violettes en dessous d'elle et que j'ai 4 violets, ça peut faire très mal. Le Tyrum il est là pour Brienne, hein, parce qu'elle va augmenter l'attaque de tout le monde. Et si derrière je me prends n'importe quel CS, tous ces CS là, je peux plus ou moins survivre avec des rebriquets, mais alors si derrière ils ont les plus 45%, là non, je peux plus. Donc Tyrum est là pour ça. Et donc soit je joue avec Mecha Jaune, soit je remplace Poppy, Melia, Bertulf par Balthazar Bjorn et il me faudrait un autre Balthazar ou un autre Tyrum que je n'ai pas. Donc non, hein, 3 violets à ce niveau-là de la compète. Même briquet, ça suffit pas. Hein. C'est-à-dire, si j'ai mes 9 tuiles violettes, ça va rien faire du tout. Hein. Même si j'ai 9 tuiles violettes, là, ça ne fera rien. Alors que là, si j'ai 9 tuiles jaunes, avec ça, je sais qu'on n'est pas loin de la victoire. Hein. Je suis protégé, j'ai les critiques. Il y a Poppy qui peut sortir quelqu'un. Bertulf fait pas loin. Et si j'ai juste. Ouais, je préfère avoir cela. Allez, c'est parti. Ouais, c'est fort, en plus, je pars en jaune contre jaune. J'en ai pas beaucoup. Bon, je vais payer ma journée d'hier qui était. J'ai trop de bol, hein. Je pense qu'aujourd'hui, je vais ramasser un peu de défaites. Peut-être même que je vais devoir payer mes gemmes. Alors. Bon, là, Brienne va très sûrement déclencher, donc j'aimerais beaucoup trouver 9 violets. Puisque sinon, là, si Brienne déclenche et que tous les autres déclenchent qui sont tous rapides, ça va faire mal. Donc là, je cherche du violet. Je vais faire mon match de 3 violets déjà. Aïe, aïe, aïe. Et il n'y a plus un seul violet sur le plateau. Donc là, pas le choix, il faut épurer un maximum. Donc il faut enlever le plus de tuiles possible. Donc j'ai les bleus là qui enlèvent les rouges après. Et j'ai l'impression que ce sera tout. Je peux faire cela en espérant un jaune en bas et au milieu. Ça fait deux endroits où si un jaune tombe, ça fait un combo jaune derrière. Mais bon, ce mouvement, je l'ai encore. Ah non, je ne l'ai pas au coup d'après parce que le jaune va remonter là. Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire en premier? Pourquoi pas? Allez. Et donc je préfère jouer au milieu, hein. J'ai pas du tout envie de déclencher les autres là. Si j'ai pas de vert, ah bah là je peux faire les bleus, les rouges, ensuite j'aurai les verts, celui des jaunes, j'aurai à nouveau 3 violets. Brienne va déclencher, il faudrait espérer que j'ai un autre violet qui tombe par combo. Alors là je commence à voir apparaître des violets. Là j'ai plein de choix, je commence à voir des violets apparaître sur le plateau. J'ai aussi des rouges, le problème c'est que Brienne va déclencher, et j'ai aussi 4 jaunes qui peuvent m'intéresser, puisque si jamais je retrouve 3 et 3 jaunes derrière, là on voit que je vais dégager tout le plateau, donc peut-être qu'il va y avoir des combos.
Il y a beaucoup de choses. Donc ça, je peux faire les rouges. Donc derrière, ça va déclencher Berden parce que tous les verts vont dégager. Je vais même avoir un diamant vert du coup. Et je sais pas où il se loge ce diamant vert. Alors, si je fais les rouges, là, j'ai 4 verts avec les deux là qui se font. Et j'espère que le diamant vert se met pas au milieu parce que du coup, ça empêcherait le combo des jaunes. Ce que je recherche si je fais ce mouvement-là. Et j'ai pas envie de me retrouver avec un diamant vert et Brienne qui déclenche, c'est-à-dire je rebalance des tuiles. J'ai très peur qu'il apparaisse au milieu des jaunes, je sais pas où il va franchement. Il me semble que je privilégie tout à gauche, mais vu qu'il y a aussi en bas et en haut là, je me demande s'il va pas privilégier la hauteur et le mettre au-dessus de Berden. Donc l'autre solution c'est de faire les verts par là, c'est-à-dire vert suivi des jaunes. Et j'ai quand même trois violets prêts à déclencher ensuite ces trois-là au coup d'après. Je peux simplement faire mes violets ici. Qui est aussi un mouvement envisageable parce que là, Brienne, on voit que elle peut ne pas déclencher ce tour-ci, mais dans tous les cas, au tour d'après, elle déclenche. Donc soit je la fais déclencher maintenant avec un énorme mouvement qui enlève plein de tuiles, soit je me tente une petite folie, là je fais juste mes trois violets pour essayer de gagner un temps. Et derrière, je lui mets le paquet, mais le problème de ces trois violets, c'est que si un vert tombe, ça me fait un combo dégueu que j'ai pas envie de voir. Et elle va déclencher, alors j'aurai toutes les tuiles à enlever. Moi, j'aime quand même vraiment bien ce mouvement rouge là. J'aime bien les deux, le rouge et le vert. Là, vu la gueule du plateau, j'ai quand même envie de penser que faut que je joue le diamant. C'est-à-dire faut que je joue d'enlever vraiment toute cette masse au milieu et d'espérer rapidement du jaune ou du violet, sinon je vais tuer personne. Donc par contre, je vais sûrement me prendre Brienne suivi de Berden, il va sortir quelqu'un. On y va. J'espère que le diamant atterrit pas là. Ouais, il atterrit là-haut, c'est bon. Donc ça privilégie la hauteur. Et en plus, j'ai Tyrum qui se déclenche, parfait. Bon, j'ai bien fait d'épurer, c'était le moment. Si elle pouvait juste ne pas me tuer Tyrum, lui. Bon, ça va. Ok. Alors, je pense que je vais tuer là, juste pour ghoster les tuiles. On va pas trop chercher. Je vois qu'il va y avoir d'autres violets à foutre dans le vide. Maintenant, en termes de jaune, je n'ai pas compté, je pense que je suis à 3. Il faudrait 4, 5, 6, 7 avec ça. 7, c'est le pire chiffre. Mais bon, je suis obligé d'en profiter, je peux pas en profiter, oui. Ouais, je suis à 7, hein. Ouais, c'est le pire chiffre parce que tout le monde est sur le point de déclencher, mais personne déclenche. Donc je vais avoir mes 10 là, mais ça va me prendre un tour complet. C'est un gros combo. Poppy, peut-être Berden, peut-être l'abeille vont déclencher. Ah ça va, j'ai du bol. On a un autre qui est apparu. Ok. Alors, je tue qui? Je pense qu'avec les tuiles là, jaune, je vais pouvoir tuer Poppy. Maintenant, cette Poppy là me fait peur. Le problème, c'est que j'ai pas. Je pourrais pas la tuer, je me demande si je vais pas essayer de tuer l'abeille. Moi je pourrais pas le tuer non plus, hein. Pas se mentir. Quatre quand même. Je peux ramener 6 tuiles. Je vais essayer de tuer Poppy là-bas, je vais en profiter, j'ai les critiques, tout le monde est vivant. Tout le monde est vivant, donc tout le monde bénéficie du booster de critique et du booster de Bertulf. Et donc ça vaut le coup. Et puis là, voilà, je vais accepter mon coup de la beigne et je vais essayer de tuer Poppy derrière avec les compétences si la beigne tue pas Poppy. Parfait. Oh, ça c'est moins parfait. Je pense que c'est pas grave, le poison devrait suffire. Et Poppy, elle peut pas me tuer qu'à vas-y, trop. Ok. Allez, suivant. Bon, bah là mon équipe est toute faite. Oh le fou quoi. Kavazir tente et il est entouré de deux Norils breakers emblémés, entouré de deux Maeve breakers emblémés. Parfait. Bon, bah là il n'y a pas à tergiverser. Hein. Faut que je joue contre Kavazir. Donc Kavazir lui-même plus Tyrum costumé. Tiens, faut bien que je pense à le changer. Et derrière, bah, j'ai pas de mono violet donc c'est mono jaune. Hein. Manière 2 Maeve. L'avantage c'est que c'est lent et que je peux balancer des tuiles sur Cavazir. En plus j'ai encore une montagne de jaune. Après le raid d'avant il était pas fou donc on va dire un partout quoi. Un beau plateau, un plateau pourri.
Ça, c'est les plateaux pièges, hein, parce que au-dessus, là, j'ai aucun combo possible dans les trois premières lignes du dessus, là, je vois rien. Et donc, si je trouve pas un diamant jaune en bas, quand même des chances que je me retrouve avec des jaunes éparpillés. Vous voyez, là, si je fais ces quatre, j'ai très envie de faire les quatre. Mais derrière, lui, là, tous les jaunes de gauche, ils sont complètement. Ils sont loin les uns des autres. Et il n'y a rien pour les. Il n'y a aucun mouvement possible derrière en plus. De ce côté-là, je pourrais encore en faire 3, qui est pas mal, mais bon, c'est pareil, quoi. Je pourrais en faire 3 et après, j'en ai rien qui sont éparpillés un peu partout. Donc, je suis vraiment pas fan. Et il m'oblige en plus à jouer jaune, hein. C'est-à-dire que là, j'ai même pas le choix, hein. C'est-à-dire soit je fais ça, soit ça. Peux faire un... Si je peux jouer les verts. Je me demande même si je vais pas le faire. Ça paraît complètement fou, mais je me demande si je vais pas jouer les trois verts du bas. Simplement parce que là j'ai quand même 1, 2, 3. C'est-à-dire si n'importe lequel. Ah oui, non. Si là il y a un jaune, ça fera un combo jaune. C'est dommage. Mais si les deux verts de droite sont remplacés par un jaune, j'aurai un diamant. Et là tout de suite, je m'en fiche que tout soit éparpillé. Je vais la tenter, je pense. J'aime pas du tout comment ils sont placés. Ah, j'ai pas de jaune. Dommage. Oh, puis là, voilà, j'ai pas le choix. Oui, il y a beaucoup de jaune, mais je sens que c'est pas bon du tout. Hein. Ah, les autres qui remontent enfin. Donc, ah, vas-y, on voit même avec ma masse de jaune, il va déclencher avant le mien. Et donc, ils vont tous être protégés. Mon tireur n'est pas là. Mon cavadier va servir à rien. Pas fou, hein. Ils gagnent leur bonus mana un peu partout. Là, je suis pas rassuré, rassuré. Alors que pourtant le plateau semblait bon, mais. J'ai fait 4. Est-ce que j'ai fait 4? Bah oui, attends, c'est 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, mais je peux déclencher tous mes rapides là. Qu'est-ce que. On est d'accord, 8, je vais déclencher Melia, Poppy, Cavazir en 8. Que rapide, je dis 9, mais là je suis dans un cas où je peux faire 8. Ouais, bon, on y va. Et du coup, voilà. Je me trompe pas? Ouais. Cool. C'est juste con que son Cavazir déclenche. On va voir si je peux mettre deux sbires, je le fais. Ouais, je vais le faire. Et Cavazir peut se mettre un sbire sur lui, un autre sur Tyrum. Là, vu que je suis pas prêt d'avoir Tyrum, franchement, c'est pas demain la veille que je vais l'avoir là. Je vais déclencher, même si j'ai que deux sbires. Déjà, ça protège un peu et peut-être mes propres sbires vont empêcher Cavazir d'en remettre d'autres s'il déclenche. Alors maintenant, j'ai plusieurs choix. Qu'est-ce que je fais avec Poppy? Je crois que le plateau est tellement dégueulasse que je vais. Faut que je continue à jouer au milieu. Je vais avoir trois jaunes là-bas. Je peux avoir trois jaunes sur lui. Est-ce que ça vaut le coup de le tenter? Il va jamais mourir avec ses trois jaunes, à mon avis. Ouais, il y a les critiques peut-être. Je peux tenter ça en sachant que je vais lui remonter 3 jaunes sur la tête. Un peu risqué. Hein. Ou je peux tenter Cavazir en me disant là, c'est quand même pas très bien engagé. J'aimerais bien au moins tuer un héros avant de perdre. Là, je vais faire les 3 rouges. Derrière les 3 jaunes, je vais déclencher Bertulf, mais j'ai aucune tuile à envoyer. Et est-ce que ces 3 jaunes avec des critiques suivies de Poppy sur lui suffit? Pense pas, hein. Ça a l'air très solide. Je vais essayer quand même. Peut-être que si Poppy lui en met deux, ça passe. Je suis gourmand, je vise la victoire. Oh bah, mais rien du tout. Bon bah, j'aurais dû jouer sur Cavazir. Je vais chercher mes jaunes quand même. Hein. Ah, alors un nouveau qui arrive. Que ça ne changerait pas la donne cette histoire. On voit qu'il est fort lui parce que j'ai. Beaucoup de jaune et je m'en sors pas. C'est bien beau de déclencher Bertulf, mais après il faut avoir des tuiles jaunes avant que tout le monde meure chez moi. Heureusement qu'ils sont tous lents ceux-là, hein. J'ai quand même vachement le temps. Si je fais cela, je suis pas prêt d'avoir du jaune là-bas. J'aimerais presque jouer au milieu pour aller chercher les plus grosses choses ici. Bon, j'ai aucun mouvement sur la gauche, hein. Ouais, ce plateau est quand même vraiment pas fou. Hein. Je me demande si je vais pas faire au milieu juste pour avoir les verts après et débloquer quelque chose. Ouais, je vais faire Cavazir maintenant, ce serait bien que je tue quelqu'un. Oh là là, affreux.
Est-ce que mes sbires ont marché? Oui, j'ai bien fait de mettre mes sbires, ils en ont empêché 3 là déjà. Et je crois que j'ai qu'un seul mouvement sur le plateau, qui est celui du bas là. Voilà, on se retrouve dans les... Il est moche ce plateau là, je peux rien faire. Au moins il bouge, j'ai de la chance. Et là, Bertulf, trop fort, c'est là la force de Bertulf. J'ai tenu jusqu'à ce qu'il déclenche et du coup, boum, lui peu importe, lui fait le ménage. On n'a rien à battre. Kavazir, il mettrait combien de sbires là? Un seul sur Melia. Le Tyrum, il en est où là? Qu'est-ce qu'il nous fait? J'ai pas une tuile violette encore. Kavazir, je crois qu'on va attendre. J'ai pas envie de mettre un sbire juste sur Melia. Je vais attendre soit que ça parte, soit que Tyrum déclenche. Je peux encore pas jouer à droite, c'est un truc de fou, hein. Je vais être obligé de le déclencher pour. Oui, là ça fait mal. Ah, bah, tout de suite, Kavazir. Ça part quand l'anti-sbire là? 3 tours. Mon Tyrum, faut faire quelque chose là. Allez. Bon, c'est les Tyrums, je l'aurais pas rentré pour rien. Il va permettre de mettre des sbires. Plus 2 tours de sbires. Merci Tyrum. Hop, deuxième salle de sbires. Et cette fois c'est bon, je me sens mieux. Ok, donc il était traître celui-là. Il paraissait facile avec tous ses jaunes, mais il l'était pas du tout. Surtout que je pars en jaune contre Kavazir, donc c'est aussi compliqué, mais bon, voilà, il n'y a que des lents et un Kavazir au milieu, j'avais le temps de remonter beaucoup de tuiles. Alors, bon, double Kavazir, donc je vais garder mon histoire. Oh, j'aimerais bien avoir un autre Tyrum. Donc là, j'hésite, ben, je vais même pas hésiter. Hein. C'est-à-dire contre Gunnar, j'aimerais jouer en vert avec Ménézéus, mais je l'ai pas. Je pourrais jouer en vert avec ma Brienne. Hein. Mais mon équipe verte, je la trouve pas assez forte, et surtout qu'il y a Gramps, c'est le blaireau dedans dans mes breakés là. Donc c'est nul, et je peux pas jouer sans les breaks là, hein. Franchement c'est trop fort. Et mon problème c'est que je n'ai que Tyrum. Ouais, c'est dur. J'ai que Tyrum normal pour contrer Gunnar. Il faut absolument le contrer, sinon on gagne jamais. Hein. Mais du coup, si je fais ça, je n'ai personne après pour enlever les sbires qui vont forcément déclencher là. Un Kavazir à droite, à gauche, je peux vous dire qu'ils vont déclencher les deux là. Et je suis très embêté parce que si ils déclenchent, ils vont mettre des sbires de tous les côtés. Et si j'ai pas mon Tyrum costume, je peux jamais mettre mes propres sbires et ça ne marchera jamais. Je vais pas m'en sortir. Ça va être trop solide. Donc là, je sais pas comment faire. Faudra un jaune qui contre Gunnar. Vraiment pas envie de... Ou je vais jouer en vert, mais tellement nul mes verts là. Non, je peux pas, j'ai pas de vert. Ah oui, là je suis baisé. Là je suis baisé, je pense. Désolé pour le langage, mais je vois pas comment je m'en sors. Je peux pas... Je pense que celui-là, je peux pas le gagner. Enfin, ma seule solution de le gagner, c'est de jouer avec Tyrum normal, d'attendre que Bertulf déclenche, donc 10 tuiles jaunes. Et là, j'enlèverai le partage de dégâts de Gunnar avec Tyrum, et les tuiles feront tellement mal que ça va tuer tous les sbires que les deux Kavazir auront mis partout. Donc c'est possible, hein. Ça reste du domaine du possible. C'est-à-dire faut que je joue comme ça veut dire déjà que mon Kavazir à moi, il va servir à rien. À moins qu'il déclenche avant ses propres Kavazir, mais il y a quand même peu de chance, faudrait beaucoup de jaune au milieu, quoi. Mais je pense que j'ai pas le choix, parce que si on ne contre pas Gunnar, on gagne jamais là. Hein. C'est-à-dire, soit faut le tuer tout de suite et il est énorme. En plus, je joue pas en vert. Donc, faut que j'ai un Tyrum pour le contrer. Puisque là, s'il joue et qu'il n'y a plus de Tyrum pour contrer Gunnar, c'est mort. Donc, je vais être obligé de partir comme ça. Mais il y a un gros risque que je sois envahi de sbires là. Et que je puisse pas mettre les miens parce que j'ai pas mon Kavazir costume et que ça se passe pas bien. Après, je vais avoir du temps. Hein, puisque là, les Kavazir, je suis pas obligé. Je peux jouer sur Gunnar très longtemps. Hein. J'ai Tyrum qui va contre un moment ou un autre, donc Gunnar, je peux lui envoyer la sauce pendant 3 plombes. Hein. Donc tant que je peux jouer au milieu, ça se passe bien. Donc j'ai plein de mouvements possibles. Donc là, j'ai quand même 3 violets, suivi des 4 rouges. Et je me demande s'il va pas se bloquer à gauche le dragon, et du coup les 3 violets en dessous vont peut-être se faire.
Ah non, les miens seront tout en haut et lui il sera en bas. Ouais, non, ça... Ah bon, ça épure quand même bien au milieu. J'ai ce mouvement-là de violet-jaune, j'ai pas envie de le faire parce que ça veut dire 3 tuiles directes sur Cavazir pour seulement 3 au milieu, alors que là c'est 2 tuiles sur Cavazir pour plein au milieu, 4, ouais. Non, je vais faire celui-là, il me paraît mieux, hein. Là j'ai juste envie de remonter un maximum de tuiles sur Gunnar. Je cherche pas à tuer, je veux trouver mes jaunes pour enclencher, faire ma stratégie là. Donc déjà Gunnar, je le compte quand je veux, mais là tout ce qui m'intéresse, c'est trouver Bertulf. Donc tant qu'il n'y a pas de jaune, cette partie ne peut pas être gagnée. Donc j'enlève tout ce que je peux au milieu en prenant soin de rien enlever sur les côtés. Alors là, je me demande si je vais pas lui enlever une première salve avec Tyrum. Je pourrais le garder pour quand j'ai des jaunes. Mais je vois que j'ai quand même beaucoup de violet. Je vais encore devoir remonter beaucoup de tuiles. Donc je pense qu'il va redéclencher, mais que je vais avoir d'ici là les violets pour le recontrer. Et comme je vais remonter un peu de jaune, alors là j'ai 4 jaunes, je vais pas m'en passer vu que pour Bertulf, il en faut 10. Et comme je remonte des jaunes, j'ai envie que les jaunes que je lui remonte sur la gueule là tout de suite fassent un peu de dégâts quand même. Au cas où le raid se passe mal, peut-être je pourrais tuer quand même Gunnar. Donc, je vais le faire maintenant. C'est peut-être une erreur, mais ça me ferait mal de me passer des dégâts là. Je peux peut-être grignoter Gunnar là sur tout ce que je vais lui renvoyer. Donc je vois j'ai 4 jaunes, mais là j'approche du déclenchement de ce Cavazir. Ça, j'ai aussi un très beau mouvement là de violet, suivi du jaune. Derrière, j'aurai encore 3 jaunes. Et mais hop, puis je vois que. J'ai dû faire un. J'allais dire, j'ai envie d'en faire 4, mais je vois qu'ils ont déjà de la mana, donc j'ai dû déclencher. Comment ils peuvent avoir aussi peu de mana? J'ai pas regardé. Si j'avais fait un dragon, ils auraient beaucoup plus. C'est quoi ce Beans? Comment ils peuvent avoir du mana? Voilà, je regarderai la vidéo, je comprends pas comment mes alliés là ont un peu de mana. Un si peu, c'est pas un tuile de 3. Si j'avais fait un dragon jaune, bah ils auraient déjà eu 4 avant. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Non, je regarde. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bon, on va jouer avant que je me prenne la pendule. Bah du coup, je suis en train de me demander si 9 tuiles suffiraient pas et auquel cas je jouerais mon mouvement du milieu. Parce que là, il suffit qu'il y en ait une qui apparaisse en bas et c'est bon quoi. Derrière, je fais les 3 là et j'aurai mes 9. Mais du coup, faudrait que je sois sûr que ça marche sur Bertus. Bon, je vais tenter et je regarderai le replay. Je comprends pas comment j'ai. Ah merde. Ah si, ça y est, je les ai. Ah puis bon, là, je suis très content d'avoir enlevé le truc de Gunnar, hein. Puisque là, du coup, il va même mourir sur ça et je vais déclencher Cavazir avant les autres, tellement j'ai eu vite. Ah, et là, du coup, ce raid tourne court. Ouais, je regarderai dans les replays, j'arrivais pas à m'expliquer cette petite quantité de mana que j'avais sur mes jaunes. Peut-être que je suis mal réveillé, un truc qui m'échappe. Alors, on tue qui? Ce Cavazir va quand même être chiant. Parce que je sens que mes 5 abeilles vont pas taper les 4 bonhommes et qu'il va réussir à en mettre une. Mais bon, est-ce que c'est bien grave? Et bah ça va vous surprendre, mais je crois que je vais garder ma Poppy. Tout simplement parce que si Cavazir arrive à mettre un sbire, c'est-à-dire si mes sbires attaquent pas assez ses héros et que lui il arrive à en mettre un ou deux, j'aimerais bien les dégommer tout de suite avec Poppy pour pas prendre trop d'anti-sbires, au cas où j'y arriverai. Donc je vais le laisser se déclencher. Vas-y, fais-toi plaisir. Allez, il a réussi à mettre un sbire là-bas. Je vais tout de suite le claquer. Comme ça, lui, il va pas m'emmerder trop longtemps. Et si je retrouve du jaune, je pourrais remettre les miens. Allez, bon, bah là, par contre, il faut aller jouer. Parfait. Ouf. Et en les cavaziers, je m'en fiche de les faire déclencher. Oui. Pas de problème. Et voilà, j'ai pris qu'un anti-sbire sur Melia, c'est très bien.
Oui, ça vaut quand même le coup d'avoir une équipe qui est, comment dire, cette espèce de mono jaune très polyvalent là, Melia, Poppy, Cavazzir. Et en fait, j'ai breaké que 3, bon, 4 jaunes avec Bertulf. Bertulf, il sert même en titan. Ces 3 jaunes-là, ils servent partout, quoi. Ils sont en ruée, en machin, et c'est super utile. Oh, ça fait plaisir. Encore un champion. Elle a fait que soigner, je crois. Pof, complètement inutile, Candy. Elle sert à rien, complètement à rien. Assez ecclésiastique, nul à chier. Et lui, qui sert à rien non plus, en lent, à part remettre du mana. J'ai juste à contrer Gunnar. J'ai gardé la même équipe, je crois, puisque là, le tier-up contre Gunnar, ça c'est lent. Je peux remonter 20 milliards de tuiles sur Gunnar. Enfin, celui-là, j'ai de grandes chances de le gagner, ça c'est cadeau. Juste que je fasse des mouvements qui. Bah, puis en plus, combo 2 suivi des jaunes, ça fait déjà 3, pouf. Je réfléchis même pas. Petit quatrième pour la route. Bon, il va falloir trouver du violet par contre. Hein. Tant que j'ai pas de violet, oh, ça me ferait mal de perdre ça, franchement. Voilà, s'il n'y a rien et que je perds ce match, ce serait vraiment scandaleux avec sa défense. Bon, bah là, merde, j'ai pas de jaune, pas de violet, hein. Faut que je vide le plateau le plus possible. Je vois même pas un combo 2. Pas un combo 2. Putain, c'est soit il y a rien, soit je vois rien. Bon, du coup, soit les rouges. Ah, si je fais les rouges, si j'ai un bleu qui tombe en bas, j'ai peut-être un diamant bleu. Là. Non, dommage. Même topo, je peux encore retenter un diamant bleu par là. Ça va peut-être pas mal parce qu'il y a vraiment. Après, là, c'est le moment où Gunnar déclenche, c'est le moment de lui envoyer la sauce aussi. Je peux lui envoyer la sauce longtemps, là. Je veux dire, j'ai pas de violet, donc pas de regret. Allez. Je vais prendre mes 3 violets pendant qu'il est temps, parce que là ça a l'air d'être une partie vraiment affreuse. J'ai enfin un combo, un diamant. Il va réussir à me le faire perdre. Hein. Oh là là, c'est fou, je vais le perdre. Gunnar va redéclencher. Toujours pas de tirum en vue, les jaunes je m'en fiche, hein. Tant qu'il n'y a pas de tirum, il ne se passera rien. Ah ça y est, tirum arrive. Je vais quand même mettre mes liens, un peu de critique, ça fera pas de mal. Alors, elle qui déclenche, gros sketch. Et lui, dans tous les cas, va déclencher. Je vais garder ma Poppy. Hein. Faut absolument que Tyrum ne meure pas, par contre, sinon j'ai perdu. Oh là là, c'est bon. Bon, du coup, là, par contre, je pense que j'ai gagné. Allez, tout ça dégage. Et je vais tout de suite essayer de sortir la menace qui, pour moi, est Gunnar. Parce que si mon Tyrum meurt et qu'il reste un Gunnar sur le plateau. Je ne fais rien, donc je vais même faire un mouvement de merde juste pour le tuer là, voilà. Et là tout de suite, je me sens mieux. Bon, puis en plus, ça tombe dans tous les sens. Bon, là, son équipe vraiment nulle, hein, franchement. Ce niveau-là de la compète, ça fait plaisir. Bon, ok. Un tournoi où j'ai le cul bordé de nouilles. Hein. Les deux premiers combats étaient pas faciles, mais bon. Se prendre des équipes comme ça. Ok, bon, bah là, très bonne équipe. Hein. Et bah, puits source, ça se contre avec Tyrum, il me semble. Hein. C'est son provoqué qui fait chier. La défense est énorme là. Donc il faut juste enlever tout ça, donc un Tyrum. Et après, comme il est lent, les deux à côté de lui sont lents, j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir le temps. Hein. Soit j'ai du jaune au début et puis source il va tomber direct. Soit j'ai pas de jaune, j'ai quand même des chances d'avoir du violet. Je pourrais contrer avec Tyrum et lui rebalancer des tuiles. Donc bon, c'est une bonne équipe, mais il y en a eu qui me font plus peur là, je sais que j'aurai un peu de temps quoi. Là, je garde la même. Ah.
C'est moche, par contre j'ai 4 jaunes. Si je fais le combo vert ici. Alors, je vais les prendre, on va pas se passer de 4 jaunes. Je me demande vraiment comment j'ai chopé du mana tout à l'heure là. Ah, ou alors c'est un dragon d'une autre couleur qui avait cassé une seule tuile jaune. Je pense que c'est ça. Ah, mais oui, ça a dû être ça. Et oui, il doit y avoir un énorme dragon, je sais pas, bleu, rouge, vert ou violet, qui a cassé une tuile jaune à côté, et c'est pour ça qu'ils avaient tous mangé un peu de mana. Ok. Énigme résolue. Alors. Bon, si je fais ces deux jaunes, je perds mes quatre du fait, donc c'est-à-dire, je dis un peu au revoir à Bertulf qui déclenchera dans longtemps. Mais. Il prend quand même la sauce avant de déclencher, ça lui ferait pas de mal de plus là, et même s'il déclenche, il sera quand même vulnérable. L'autre option, c'est de faire les bleus suivis des rouges, mais du coup, je sépare mes deux jaunes. Je pense que j'ai envie de les faire avant quand même. Sauf que si j'ai un autre mat jaune, j'ai au moins ma triplette. Ouais, voilà, parfait. Est-ce que je la ferai pas droite du coup? Parce que je me laisserai pas le temps. Un peu risqué, mais là, si je ne fais pas mes trois jaunes et que je fais ce gros combo bleu suivi de rouge, si j'ai un jaune qui sort là, j'aurai un diamant. J'ai pas l'impression qu'il va déclencher encore. C'est un peu risqué, mais bon, je suis chanceux aujourd'hui, je vais le faire. Il déclenche pas, bon. J'ai pas eu mon jaune ici, donc tant pis. Bon, là, par contre, on va pas se priver, hein. Je vais l'assurer. Ok, bon c'est pas gagné, hein. Il reste que des héros très dangereux sur le plateau et j'ai plus beaucoup de jaune. Oh deux, oh c'est cadeau. Oh là là, mais quelle chance. Quelle chance, c'est incroyable. J'ai peut-être pas envie de déclencher Melia avant cela. Vraiment des. Je sais pas ce que ça donne ces trois tuiles jaunes sous Melia là. Si j'avais Bertulf, elle meurt, c'est sûr. Là, j'ai pas Bertulf. À mon avis, c'est pas fou. Hein. Après, Melia, c'est un peu une chips. Je vais les tenter. Pas sûr. Ah oui, non, c'est pas fou du tout. Oh, purée. Ouais, c'est un peu énervé là. Allez, bon, on en profite. Là, elle va déclencher, donc je peux faire le combo 2 sous elle. Maintenant, Bertulf a déclenché, donc même T-Run peut faire mal avec ses tuiles violettes. Ah, j'aurais bien eu envie de le faire là, mais. Ouais, je vais le faire quand même. Je vais le faire avec un combo 2, les 4 violets. Parce que là, s'il tue pas T-Run, T-Run peut aller enlever les critiques. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller tuer Melia quand même, elle est chiante là. Voilà. D'ailleurs, je déclenche. Je vais prendre une petite baffe de l'abeille, mais. On va rester sur une défaite, super. Avec la défense en plus qui suit, c'est parfait. Bon, encore une super journée. On a pas autant de bol qu'hier, mais quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. En plus, la défense qui tient le coup, ouais, c'est cool. Donc là, dans le classement, je devrais commencer. Voilà, dans les mid, je suis large. Hein. Putain, là, c'est une journée où. C'est dommage que j'ai pas eu une bonne défense, mais bon, on peut pas avoir du bol en défense et en attaque. Parce que là, ça aurait été un scoring exceptionnel, je pense, avec la défense qui suit. Hein. Je peux calculer. Hein. Première journée, j'ai pris E. J'ai perdu 900 points. La deuxième journée, j'ai pris un D. Ah non, j'ai eu 200 au lieu de 900, j'ai perdu 700. Deuxième journée, je crois que j'ai eu D. Ouais. J'ai perdu 500, ça fait 1002 de perdu. Et là, j'ai dû avoir un B peut-être. Ça fait 1450 de perdu, je pense. On va voir si ça tient. Et 1450, ça ferait 12 300, ça ferait du 12 400. Possible ça? Ouais, non, j'ai dû perdre encore plus de 12 400 plus une victoire. 12 900. Ouais, non, je me trompe dans le calcul. Bah, je sais pas du coup. En tout cas, ils sont très hauts.
Ouais. Apparemment, ce qui ressort, c'est Noril Tank pour l'instant sur les premiers. Brienne Tank, accompagné de gens qui attaquent. Ah, et donc Vezir Tank passe aussi, hein. Avec une Agnès, purée, oui. Bon, on voit ce qui marche. Éventuellement, un Kvasir en tank, mais derrière, c'est que des choses qui attaquent, qui mettent des dégâts. Hein. C'est le même. Ouais, c'est vraiment que des. Il a même joué bleu, lui. Ouais, que des attaquants avec éventuellement des Kvasir, quoi. Tellement il est fort en rue, mais derrière, c'est que des gens qui mettent des claques. Hein. Des snipers, des machins. Ouais, d'accord. Ok, bon bah merci d'avoir regardé, j'espère que ça se passe aussi bien pour vous, j'en doute, mais bon, sait-on jamais. Allez, bonne journée.